Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette semaine on va tester ensemble un nouveau kit sorti sur le site de Marilou Studio. Il s'agit du kit lingerie. Alors il y a quelques semaines j'ai été contactée par la marque Marilou Studio. Si vous ne connaissez pas cette marque, il s'agit en fait d'une marque de couture qui a été lancée par Marion Louisa, donc qui fait aussi des vidéos sur YouTube. Je vous mettrai sa chaîne dans toutes les informations possibles, dans le i, dans la barre d'infos, etc. Donc Marilou Studio c'est une marque de patron plutôt axé, en tout cas qui a un pitch plutôt débutant, couture facile, qui a pour objectif, je cite, de dépoussiérer la couture avec des patrons et des kits couture qui sont accessibles et faciles à réaliser. À la base, le postulat de la marque Marilou Studio, c'est la seconde main. Je vais vous reparler un petit peu de tout ça dans la suite en vous parlant du kit que l'on m'a proposé de tester, puisque justement, donc Marilou Studio m'a contacté il y a quelques semaines pour me proposer de tester leur kit lingerie. Alors c'est pas un partenariat rémunéré, j'ai accepté de tester ce kit parce que ça me faisait plaisir de tester un kit lingerie. Déjà parce que je n'ai jamais testé de kit couture. Le seul kit que j'ai eu c'est celui de chez Joli Lab de la jupe mint, mais en réalité je n'ai utilisé que le patron et j'ai utilisé un tissu différent. Donc l'objectif du kit était un peu, voilà, un peu démantelé on va dire. Et je n'ai surtout jamais cousu de lingerie, donc c'est un vrai défi pour moi de coudre ce genre de pièces puisque c'est beaucoup plus petit, c'est beaucoup plus minutieux. Je n'ai jamais cousu de dentelle, en tout cas de tissu qui se rapproche de la dentelle. Donc double défi encore une fois. Et je trouve ça assez intéressant de commencer ce type de couture par un kit parce que du coup tout nous est fourni dans ce kit. Je vous en parlerai plus en détail par la suite. Alors à propos de la marque Marilou Studio, donc elle a été créée il y a un ou deux ans je crois, donc à l'initiative de Marion Louisa. Donc c'est une créatrice de contenu sur les réseaux sociaux qui a fait des études dans la mode et qui s'est un jour intéressée à l'industrie de la mode de façon un petit peu plus poussée, c'est-à-dire à quels sont les impacts de l'industrie de la mode, de l'industrie du textile, que ce soit les impacts sociaux, environnementaux, écologiques, etc. Et donc elle s'est lancée le défi justement de proposer une marque de patron et de kit couture qui démente, on va dire, un petit peu tous les côtés néfastes de l'industrie de la mode, et je trouve ça assez intéressant comme démarche. C'est d'ailleurs pour ça que je la suis sur les réseaux sociaux et que je suis sa démarche, et je trouve que c'est assez intéressant. Donc le kit lingerie, vous pouvez le trouver sur le site de Marilou Studio. Alors le patron est au prix de 14 €, vous pouvez aussi acheter le kit au prix de 49 € si je ne dis pas de bêtises, et dans ce kit vous aurez, alors dans la petite pochette, vous aurez donc le patron sous forme de planche à zéro. Donc ce patron il se présente voilà, vous avez en fait toutes les pièces qui vont vous permettre de coudre un ensemble de lingerie. Je vous montre comme ça rapidement. Donc un ensemble de lingerie culotte plus soutien-gorge. Alors je crois, si je ne dis pas de bêtises, comme j'ai pas encore cousu le kit, qu'on peut faire un soutien-gorge et une culotte. Donc sur la planche vous avez donc toutes les pièces du patron, les pièces taille, donc pour la taille du soutien-gorge ça va de du bonnet A au bonnet D. Moi je vais tabler sur un bonnet D je pense parce que j'ai des gros lolos. Et au niveau de la culotte on va du 34 au 50. Alors je fais une aparté sur le fait que c'est très compliqué je crois de patronner de la lingerie, c'est vraiment un peu galère. C'est pour ça aussi que pour être 100% transparente et honnête avec vous, je n'ai pas vraiment d'attente vis-à-vis de ce kit, vis-à-vis de ce patron. Je trouve ça génial de tester le kit et tout, mais je m'attends pas à ce que ce soit ma culotte la plus confortable ou mon soutien-gorge le plus confortable, parce que c'est compliqué d'atteindre ce stade-là, et parce que je suis aussi très exigeante quant au confort de mes sous-vêtements. On va parler soutien-gorge, je vous fais une aparté dans quelques minutes dans la vidéo, mais c'est vrai que je suis très exigeante de ce côté-là, j'en porte très très peu, et en fait j'ai pas vraiment d'attente, je me dis pas « oh ça va être mon ensemble de lingerie préférée », parce que je sais que c'est compliqué. Et pareil pour la gamme de taille, on va jusqu'au 50, ce qui est déjà vraiment bien. C'est une grande gamme de taille. Alors je sais pas ce que ça donne, si c'est un vrai 50 ou si c'est un petit 50 ou un grand 50, j'en ai aucune idée. En revanche, je souligne l'effort qui est fait de patronner quand même des tailles assez large, assez élargie, on va pas que du 34 au 44, donc ça je trouve ça vraiment chouette. À l'intérieur du kit vous recevez également, donc ça c'est si vous commandez le kit complet, vous allez recevoir en fait tout le nécessaire pour pouvoir coudre votre kit lingerie. Donc vous recevez par exemple la dentelle, donc moi on m'a envoyé la dentelle bleue, je suis ravie, le bleu est ma couleur préférée, donc ça c'est vraiment cool. Vous voyez le vrai bleu en caméra, donc c'est des espèces de grosses fleurs un peu vintage, très années 70, je trouve ça vraiment hyper beau, ça fait aussi un peu rideau de grand-mère, vous savez que j'adore ça, donc voilà, je suis archi fan. Je pense que
sur la peau, ça va être très très beau et c'est pas trop transparent, donc si vous êtes un peu mal à l'aise avec le fait d'avoir de la lingerie trop transparente, là je pense que ça peut être pas mal. Si j'ai bien vu sur le modèle, la culotte n'est pas doublée hormis au niveau du gousset et le soutien-gorge n'est pas doublé. Donc on garde la transparence en fait de la lingerie, ce que moi j'adore. Vous recevez également deux carrés de jersey, de jersey matchy matchy avec votre culotte, avec votre ensemble, pour pouvoir faire donc justement la doublure, le gousset au niveau du petit minou, pour que ce soit confortable. Et puis vous recevez également à l'intérieur du kit, c'est super bien emballé, ça c'est vraiment cool, vous recevez dans une petite enveloppe comme ça les 5 mètres de biais élastique, donc pour faire l'ensemble de la culotte. Vous avez également un élastique à picot et les petites attaches pour pouvoir faire le soutien-gorge, les trucs pour faire, voilà, pour régler les bretelles, les petits anneaux, tout ça. Ce que je trouve très bien avec ce type de kit, c'est que vous avez en fait un truc prêt à l'emploi. Vous recevez votre kit, vous avez le patron en format A0, donc que vous devez juste décalquer. Ne découpez pas un A0 parce que vous allez le regretter. Décalquez un A0, je vais vous montrer ça dans la suite de la vidéo. Vous recevez donc tout le tissu avec le métrage nécessaire normalement. Généralement il y a un tout petit peu plus de métrage dans les kits couture pour qu'on soit un peu large, mais voilà, on reçoit tout qui est prêt à l'emploi. La seule chose que je souligne, c'est qu'ici on n'a pas le fil. Aujourd'hui on est samedi, j'ai prévu de filmer toute ma vidéo aujourd'hui, donc de coudre mon ensemble aujourd'hui. Du coup je ne vais pas aller acheter un fil matchy matchy avec le tissu, donc c'est pas grave, c'est un peu dommage. J'aimerais bien savoir d'ailleurs, si vous avez peut-être la réponse, pourquoi justement on propose pas le fil dans ce type de kit couture. Peut-être que c'est pas intéressant, d'autant plus que c'est de la lingerie. C'est vrai que la lingerie ça utilise pas beaucoup de fil, c'est pas très intéressant d'envoyer une quantité de fil. Oui, non, en fait je comprends, c'est juste que le rapport quantité de fil nécessaire pour le kit et quantité de fil envoyé serait un peu disproportionné, donc c'est pas grave. Moi je vais coudre avec un fil, et bien j'ai peut-être du fil bleu mais c'est de la mauvaise qualité, donc je vais regarder peut-être avec du fil blanc, on verra. Mais ce que je trouve bien, c'est que vous avez donc toute la mercerie nécessaire sans avoir de surplus. Vous n'avez pas par exemple des anneaux, pas besoin d'acheter un kit de 10 anneaux par exemple, vous avez juste 2 anneaux pour faire le réglage des bretelles et vous n'avez pas de trucs en plus. Donc ça, dans l'idée d'être un peu plus minimaliste et d'accumuler moins de choses en termes de mercerie, ça je trouve ça très bien. Et idem, je trouve que ça fait un très joli cadeau de Noël puisque ça permet par exemple de faire découvrir la couture à quelqu'un qui débuterait par exemple, ou à quelqu'un qui a envie de s'y mettre. Je trouve que ça donne vraiment envie parce que là on a tout sous la main, on n'a pas besoin de réfléchir à l'association patron tissu. Et je sais que sur le site de Marilou Studio ils font beaucoup de kits avec des robes. Il y a une robe notamment qui est un peu d'ONU qui a l'air vraiment très belle. Voilà, donc vous recevez le patron avec le tissu et la mercerie nécessaire, et ça je trouve ça très bien. Quant à la provenance des tissus, j'ai pas trouvé sur le site de Marilou Studio si c'était des tissus de seconde main. Il y a un moment donné où elle exprime, enfin elle parle de la seconde main, mais je sais pas si les tissus qui sont sourcés pour les kits sont des tissus de seconde main. Je pense que oui quand même, parce que pour les kits, en tout cas les kits de robes etc, elle précise qu'il y a très peu de quantité et qu'il y a juste genre 2 kits de tel tissu. Donc j'imagine que c'est un coupon de tissu qu'elles ont trouvé, je dis elle parce que je crois que c'est que des femmes dans l'entreprise. Donc j'imagine que c'est un coupon de tissu qu'elles ont trouvé de seconde main et qu'elles mettent à disposition dans les kits, et que du coup il y en a une petite quantité parce qu'on n'en trouve qu'un seul coupon, toi-même tu sais. Donc voilà, je vais me lancer dans la couture, donc je vais commencer par regarder la vidéo. Donc il y a un QR code en fait sur le patron, vous avez vu qu'il n'y a pas de livret de montage. Je trouve ça assez bien parce que du coup ça évite d'accumuler aussi du papier etc. Bon, pourquoi pas, je n'ai jamais fait avec cette manière là, j'ai pas l'habitude de suivre des tutos couture, donc troisième nouveauté de test. Donc je vais regarder la totalité de la vidéo, voir ce qui m'attend, je vais ensuite décalquer les pièces de patron. Je vais pas faire de toile, j'avoue qu'on va se lancer d'entrée. Et puis je vais me lancer dans la couture progressive de ce kit. Peut-être qu'on commencera par le soutien-gorge et on terminera par la culotte. J'ai déjà cousu des culottes donc je sais à peu près à quoi m'attendre. Voilà.
Ok, j'ai décalqué toutes mes pièces, c'était assez rapide, je pense que ça m'a pris moins de 10 minutes. Petite astuce, si vous décalquez vos pièces, ce que je vous conseille fortement, ne découpez pas du A0, c'est du gâchis. Moi j'utilise de la bâche plastique, alors c'est pas ce qu'il y a de plus écolo sur Terre, on est bien d'accord, mais quand il s'agit de produire un ou deux vêtements par mois, je pense que ça se vaut en termes de calcul écologique. Moi j'utilise donc de la bâche plastique, c'est une bâche qui vient de chez Leroy Merlin, c'est une bâche de protection. Je ne saurais plus vous donner la référence, je l'ai plus en tête, mais dans les magasins Leroy Merlin, c'est une bâche qui est vendue en rouleau, c'est ce que trois quarts des couturières sur les réseaux utilisent et c'est très bien. Et en fait cette bâche elle peut très bien marquer au stylo, moi j'utilise un stylo bille tout simple. Et petite astuce, je garde toutes mes chutes réutilisables de bâche. Donc dès que j'ai un carré qui fait à peu près 30 sur 30 cm au minimum, je le garde, je le mets de côté. Ou si j'ai des grandes bandes aussi, vous savez, des fois pour décalquer des parementures, des choses comme ça. Donc je garde ces chutes et je les mets dans cette pochette. Et quand j'ai besoin de décalquer des petites pièces, comme c'est le cas de la lingerie, et ben je ressors juste ces petites chutes. Et là vous voyez que j'ai trouvé très très facilement 4-5 chutes pour pouvoir décalquer ce que j'avais à faire sur ma planche. Je pense que j'aurais pu encore plus optimiser, mais j'avoue que là voilà, on va rapidement. Mais c'est ce que je vous conseille de faire, comme ça vous permet d'économiser de la bâche et puis de faire un petit geste on va dire. Pour ce qui est du décalcage, petite information, les marges de couture sont comprises, je pense qu'elles sont de 1 cm, sauf pour le soutien-gorge, elles sont d'1 cm 5, puisque j'ai regardé la vidéo, donc on va faire des coutures anglaises pour ce qui est de la couture milieu du bonnet du soutien-gorge, donc ça je trouve ça bien à voir en termes de confort ce que ça donne voilà, sur le long terme, mais en tout cas en termes de finition ça me paraît correct, étant donné que le soutien-gorge n'est pas doublé. Vous avez donc toutes les tailles et les gammes de tailles sur la planche de patron, donc ça vous permet de vous mesurer directement pour la culotte. Pour ce qui est du soutien-gorge, c'est la taille de bonnet, donc c'est A, B, C ou D. Moi j'ai pris le bonnet D et j'ai fait la culotte en taille 40 puisque j'ai à peu près 90 de tour de petite hanche et la taille 40 c'est 93, donc je me dis qu'au moins je serai confortable, ce sera pas trop serré. Voilà, ne confondez pas les petites hanches et les grandes hanches. Les petites hanches c'est au niveau de l'os de la hanche, les grandes hanches c'est au niveau du bombé des fesses. Donc on mesure pas le bombé des fesses, mais on mesure vraiment bien au niveau de l'os de la hanche qui est de chaque côté de l'aine. Voilà. Et ben c'est tout pour le décalquage du patron, ça me paraît assez bien. On va se lancer dans la découpe des pièces, je vais tout découper. Et je pense que je vais commencer, comme sur le tutoriel, à coudre le soutien-gorge. Ça me paraît être la pièce qui a le plus de points techniques. Après, j'ai regardé la vidéo, j'avoue qu'il y a 2-3 petites choses qui me titillent un peu en termes de finition, genre le raccord au niveau de la bretelle ici, moi il me plaît pas sur la vidéo. Autre chose, je me rends compte quand même que le format tuto vidéo, moi c'est pas le genre de format avec lequel je suis super à l'aise. Je préfère vraiment les livrets d'explications avec les schémas, je trouve que c'est plus clair. En tout cas, moi ça me convient mieux. Bon, après c'est ma manière de coudre et la manière peut-être dont j'ai appris à coudre. Mais voilà, et pareil petit aparté puisqu'on approche de la période de Noël, si vous avez peut-être une couturière ou un couturier dans votre entourage, quelqu'un qui commence à apprendre et qui se lance un peu dans le patronage ou des choses comme ça, je trouve que offrir du matériel de traçage pour ce qui est du décalquage des patrons, alors moi je l'ai fait un peu à la sauvage, j'ai utilisé mon pistolet n'importe comment pour reproduire les courbes, mais c'est pas très grave, mais je trouve que c'est hyper pratique d'avoir un pistolet ou un bec de perroquet, du bon matériel de traçage, des règles assez grandes. J'ai pas de règles japonaises mais je vais essayer de m'en faire offrir une ou d'en acheter une. Et je trouve que c'est un bon cadeau de Noël pour quelqu'un qui fait de la couture et qui n'aurait pas ce matériel là. Renseignez-vous quand même, demandez à la personne si ça sera pas trop gadget pour elle, parce qu'il y a des personnes qui décalquent jamais de patron par exemple, auquel cas ça pourrait être gadget, mais pour quelqu'un qui fait de la couture et qui décalque un peu ses patrons et qui n'a pas ce matériel là, je trouve que ça peut être pas mal comme idée de cadeau.
profiter de cette vidéo pour faire une aparté. Alors on est très bien accompagné. Je me suis mise sur mon lit pour faire une sorte de pillow talk, on va dire, un petit peu confession sur l'oreiller, pour vous parler un petit peu aussi de mon rapport avec les soutiens-gorge. Alors non pas que j'ai envie de m'étaler gratuitement, mais disons que je passe mon temps à rabâcher en vidéo, en tout cas en bilan couture, que je couds des choses pour ne pas porter de soutien-gorge, que je double tous les corsages de mes vêtements pour éviter les soutiens-gorge parce que j'ai horreur de ça. Et là je vous présente une vidéo où on va coudre un soutien-gorge. Alors non pas un soutien-gorge mais une brassière, ce qui est quand même assez différent. Tout simplement j'ai envie de vous parler un petit peu de comment est-ce que j'en suis arrivée à ne pas porter de soutien-gorge. Quel a été le déclic? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je porte très très peu de brassières, très très peu de soutien-gorge, en tout cas si je porte des choses c'est que des brassières. Et surtout voilà, vous parler un petit peu de tout ça sans forcément aller dans le sens du body positive un peu toxique. On a un peu beaucoup de choses comme ça sur les réseaux de il faut s'accepter comme on est, etc. Il faut aimer son corps, son soutien-gorge. C'est pas du tout le propos, là vraiment chacun fait ce qu'il veut. Et justement je voulais vous parler un petit peu de moi, comment j'ai fait, puisque je sais que à l'époque ça m'aurait aidé d'avoir des témoignages comme ça, pouvoir me dire bah voilà, il y a des gens qui portent pas de soutif et c'est pas grave et c'est très bien. Et voilà, je me dis que partager mon expérience ça pourrait être pas mal. Du coup, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours porté des soutiens-gorge dès lors que j'ai pu en mettre. Je pense que j'ai commencé à mettre des brassières en CM2, un truc comme ça, j'ai commencé à avoir de la poitrine très tôt. Et je me souviens très clairement qu'au lycée, c'était inconcevable pour moi de ne pas porter de soutien-gorge. C'était inconcevable même de ne pas porter un soutien-gorge avec une coque et une armature. Vous savez, le truc qui t'emprisonne bien la poitrine. C'est un type de soutien-gorge que je suis, je pense, incapable de porter aujourd'hui parce que je me suis habituée à pas en mettre. Et en fait, je me souviens qu'au lycée, j'ai grandi dans une région très froide qui est la Franche-Comté. Et au lycée, je me souviens qu'entre deux cours, il fallait passer par des couloirs qui étaient très très froids. Et moi je remettais pas forcément mon manteau entre chaque cours parce que ça me prenait du temps. Et je portais des vêtements qui étaient très moulants, très près du corps. Et je me souviens très clairement que c'était inconcevable pour moi de ne pas porter un soutien-gorge à coque, parce que quand je traversais ce fameux couloir vitré où il faisait hyper froid, et ben en fait mes tétons se mettaient à pointer, ce qui est une réaction tout à fait naturelle du corps. Mais voilà, mes tétons se mettaient à pointer et c'était juste... J'étais trop mal en fait à l'idée qu'on puisse voir ma poitrine, qu'on puisse voir que mes tétons pointaient. Et je pense que c'est vraiment le résultat aussi de l'hypersexualisation qu'on fait de la poitrine de la femme. Mais je me souviens qu'au lycée, c'était inconcevable pour moi de ne pas porter un soutien-gorge à coque. Quand la tendance, puisque ça a été une tendance, ça l'est toujours un peu, mais quand la tendance des brassières et du no-bra a débarqué dans voilà, nos feeds Instagram, etc., j'ai commencé à m'acheter des brassières. Ça a été un peu un casse-tête parce qu'au départ, les brassières, c'était très connoté petite fille. Il y avait très peu de brassières hyper féminines. Aujourd'hui, on trouve des brassières, donc des soutiens-gorge en fait sans armature et sans rembourrage, qui sont ultra sexy, ultra féminin, voilà, très très adulte, qui font pas du tout adolescente. Donc ça c'est plutôt agréable, mais à l'époque c'était hyper difficile de trouver des soutiens-gorge qui soient pas non plus trop voilà, trop sexy, mais qui étaient juste féminins sans être trop enfantins. Et je me souviens quand les premiers sous-vêtements comme ça sont arrivés, moi je me suis jetée dessus, j'en ai acheté certains parce que je trouvais ça trop bien. Et je me souviens très clairement que c'est devenu un casse-tête pour moi, parce que chaque matin je devais réfléchir à si je mettais ce fameux soutien-gorge à brassière sans armature, tout ça, je devais réfléchir vraiment à la tenue que j'allais mettre avec, à me dire bon bah il faut pas que je mette un truc où on va voir mes tétons. En fait c'était un casse-tête et ça me saoulait. Et c'est seulement en arrivant en études supérieures que je me suis rendu compte que en fait les soutiens-gorge c'était juste facultatif, que je faisais ce que je veux. Et ça a pris vraiment beaucoup de temps, j'ai vraiment pris plusieurs mois pour faire cette transition progressive du soutien-gorge vers le quasiment no bra. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé par porter uniquement des brassières, chose que je faisais pas au lycée, et puis j'ai commencé par en porter de moins en moins, notamment l'été, où je mettais par exemple, je mettais, on a perdu le focus en été je mettais par exemple bah voilà des t-shirts un peu amples, et je mettais pas forcément de soutien-gorge. Et puis progressivement j'ai arrêté d'en mettre, et aujourd'hui je dirais que j'en porte genre 2 fois par semaine, un truc comme ça. Ça dépend vraiment des vêtements que je vais mettre avec, et du coup j'adapte en fait en fonction des circonstances, en fonction des événements, en fonction de ce que j'ai envie de porter ou pas, en fonction de mon mood. Il y a des événements, il y a des choses pour lesquelles j'ai envie de porter un soutien-gorge. Quand je dois faire un rendez-vous professionnel, quand je suis en famille avec ma belle famille, j'ai pas envie qu'on voit ma poitrine, donc là je mets des soutiens-gorge parce que je me sens plus à l'aise. Donc ça ne dépend que de mon confort à moi et non pas de ce que la société ou le regard des autres nous impose. Et ça me fait vraiment vraiment beaucoup de bien à l'heure actuelle. Donc je dirais qu'il y a à peu près 50% de mon dressing que je peux porter sans soutien-gorge, et ça c'est aussi grâce à la couture. Et c'est une aparté que je voulais faire parce que je trouve que c'est vachement bien de se poser ce genre de questions quand on fait des loisirs créatifs, parce que ça nous permet d'adapter vraiment bah,
entre autres pour la couture, d'adapter les vêtements et les choses qu'on coud en fonction de nos besoins, de nos envies, de nos convictions. Et ça, je ne cesserai jamais de le répéter, je trouve ça génial. Donc voilà, à toutes les personnes, peut-être les filles qui souhaitent arrêter de porter des soutiens-gorge, sachez que c'est possible, que c'est progressif, que ce sera pas un arrêt peut-être total, peut-être que certaines d'entre vous ne portent jamais de soutien-gorge. Moi, c'est pas mon cas parce que je me sens pas à l'aise. Et je voulais vraiment insister sur le fait que vous faites ce que vous voulez et comment vous vous sentez dans votre corps, c'est vraiment, ça ne regarde que vous. Et si vous êtes plus à l'aise sans soutien-gorge, ne portez pas de soutien-gorge. Voilà. Par contre, si vous êtes plus à l'aise avec, portez des soutiens-gorge. Sentez-vous à l'aise. C'est le plus important. Ok, j'ai cousu les deux bonnets, donc ça y est. Alors du coup, ça viendra comme ça, normalement. Donc voilà, au niveau taille, ça a l'air pas mal. Moi j'ai fait le bonnet D, qui est la plus grande taille, sachant que j'ai une bonne poitrine, mais j'ai pas non plus une poitrine exceptionnellement grosse. Donc si vous avez vraiment une très grosse poitrine, du coup ce kit, le patron sera pas adapté pour les grosses poitrines. En revanche, voilà, pour un bonnet D moyen dans le commerce, voilà, ça passe, c'est très bien. Donc j'ai cousu, j'ai fait les coutures anglaises. J'hésite à maintenir la couture vers l'intérieur avec un point à l'extérieur. Pareil, j'ai pris aussi l'initiative de repasser, allez, de repasser mes coutures. Et pour ça, j'ai utilisé un cochon de couture que je me suis cousu il y a quelques temps. C'est un tissu qui est matchy-matchy avec ma table à repasser. Tout simplement, c'est des chutes de tissu que j'ai mis à l'intérieur d'une espèce de coussin. Alors le mien, il est pas assez rond, il est encore un peu trop plat, mais je me suis servi en fait du côté ici pour venir vraiment bien poser en fait ma pièce de soutien-gorge qui est courbe et bien venir la repasser. Et ça, c'est pas précisé dans le tutoriel, le repassage globalement en couture, que ce soit, je trouve, dans la lingerie comme dans la couture de manière générale, c'est genre 50% du travail de couture. C'est hyper important de tout le temps repasser entre chaque couture. Et c'est vrai que pour la lingerie, c'est pas forcément précisé, moi je préfère le faire, en tout cas pour les coutures anglaises comme ça en milieu de poitrine. Faites attention pour le repassage, essayez de mettre une température très basse, de tester sur une chute de dentelle pour pas cramer votre tissu, parce qu'il y a une chance sur deux pour que ce soit ce qui arrive. Donc voilà, mais je trouve que leur passage est assez important à cette étape là et c'est pas précisé dans le tuto. Donc voilà, je vais maintenant passer à la suite, à l'assemblage donc des élastiques sur les côtés, et je vais voir si je peux pas m'amailler un truc pour prendre en sandwich la bretelle, parce que la finition qui est proposée dans la vidéo me plaît pas du tout, c'est une finition un peu barbare. Désolée, mais du coup voilà, je vais essayer de faire en sorte de prendre en sandwich mon élastique pour que ce soit à l'intérieur et que ce soit plus beau et plus solide. Et voilà, je vais tenter, c'est pas dit que j'y arrive, mais je vais tenter un truc. Alors du coup là j'ai mon bonnet avec la partie intérieure, la partie extérieure, et j'ai déjà posé ma bretelle, donc le biais que j'ai cousu sur lui-même. Je l'ai déjà posé au niveau de la pointe de mon bonnet, donc je viens la poser vers le bas. Donc ici c'est le bas, c'est là qu'il y aura l'élastique. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir positionner mon biais, mon élastique à picot, tout le long, bord à bord de ma dentelle. Et je vais le mettre en un seul morceau, je vais pas le mettre en deux morceaux. Normalement sur la vidéo, elle nous conseille de le mettre en deux parties. Moi je vais le faire glisser en une seule partie au-dessus. Donc ici je vais faire un petit hop, un petit arc de cercle. Et ça va aider aussi à soigner la finition à cet endroit-là. Donc là je vais faire ma couture sur tout le pourtour et ensuite je pourrai rabattre et venir faire la surpiqûre à l'extérieur. Donc là
là j'ai posé en fait tout l'élastique à picot sur la totalité du pourtour du bonnet et j'ai déjà mis la bretelle. Dans le tutoriel vidéo, c'est pas comme ça qu'elles font. Alors première chose, elle nous conseille de coudre avec un point zigzag. Personnellement j'aime pas le point zigzag, je trouve que c'est un point qui est grossier, je trouve que la finition est grossier dans le sens où c'est pas hyper net. Je trouve que les finitions sont moins jolies avec un point zigzag, ça fait quelque chose de pas super propre et je trouve que pour de la lingerie qui doit être super minutieuse, le point zigzag pour moi il n'est pas adapté. Donc j'ai préféré coudre avec un point triple. Donc là tu vois j'ai cousu mon élastique voilà, sur lui-même. On voit bien la couture et j'ai fait un point triple et je conserve en fait vraiment l'élasticité du biais. Donc optez si vous avez sur votre machine un point triple, le point triple, moi j'ai une singère toute basique, la Madame 2, c'est un des points les plus, enfin une des machines les plus basiques qui soit et elle a le point triple, je l'avais aussi sur ma machine, ma Pfaff 1080S. Donc essayez de regarder si vous avez ce point là, vous pouvez faire donc ça fait un point droit mais triple, ce qui fait qu'il est élastique et c'est le point que j'utilise pour coudre tous mes vêtements. D'ailleurs cette robe là a été cousue entièrement en point triple, donc c'est bien pour ce genre de matière et ça évite d'avoir quelque chose de trop grossier. Et donc du coup j'ai pu poser mon élastique avec un point triple, je suis venue le surpiquer. Pareil, je sais pas si on verra très bien. J'ai fait une petite surpiqûre tout le long. Comme ici, cette couture-là, elle est pas vraiment élastique. J'ai fait juste une surpiqûre avec un point droit classique, mais très élargi. Comme ça, je garde quand même un peu de souplesse dans mon point. Et je suis venue carrément directement prendre en sandwich, en fait, la bretelle dans le biais. Donc tout simplement j'ai posé ma bretelle comme ça endroit contre endroit, je suis venue poser mon biais à l'extérieur puis je l'ai rabattu vers l'intérieur et je suis venue faire ma surpiqûre, ce qui fait que j'ai le picot qui ressort et ma bretelle qui est prise en sandwich et j'ai quelque chose de bien plus propre que ce qui était proposé dans la gamme de montage. Donc personnellement je préfère mille fois cette finition là que je trouve beaucoup plus jolie et voilà qui me convient mieux. Je suis venue aussi, j'hésitais à faire une surpiqûre sur la couture centrale pour venir bien plaquer ma couture anglaise, c'est ce que j'ai fait. Pareil avec un point classique très élargi et ça fonctionne très bien. Pour l'instant ça va, c'est assez facile. J'étais assez sceptique en fait quand j'ai vu vraiment les finitions qui étaient proposées, c'est vraiment ça qui me posait le plus de problèmes, je me suis dit oula ça me correspond pas trop. Mais ça se modifie assez facilement donc je pense que je vais réussir à avoir un résultat qui me satisfait. Rien que le fait d'utiliser un point droit, un point triple à la place d'un point zigzag me fait énormément de bien. Je sais pas encore comment je vais faire la finition sous la poitrine pour le biais pour qu'il y ait vraiment quelque chose de sympa. Je vais voir si je suis la finition qui est proposée dans la vidéo ou non et ensuite on pourra se lancer dans la culotte. Ok, bon, on a été rejoint par mon monsieur qui du coup va taper à l'ordinateur. Donc vous allez entendre des bruits de clavier. J'ai terminé de coudre la brassière. Alors je vous ai pas filmé toutes les parties un peu évidentes, tout ce qui est bien expliqué dans la vidéo. Voilà, je suis passée rapidement, j'ai pas filmé. Donc du coup j'ai monté les bretelles avec la partie réglable et l'anneau. J'ai galéré pour la partie réglable parce qu'à chaque fois je cousais en fait mon rentré sur le mauvais côté de bretelles. Donc à chaque fois ma couture était visible et je pouvais pas régler mes bretelles. Donc voilà, j'ai un peu galéré mais ça va. Voilà ce que ça donne globalement. Alors je l'ai essayé.
il est bien. Je pense que j'aurais pu un peu plus superposer les pièces à l'avant, faire en sorte qu'elles se croisent. Là je les ai fait juste se toucher, se croiser, mais légèrement, et j'aurais pu un peu plus les superposer. Mais étant donné la largeur du biais élastique, en fait j'étais contrainte aussi, parce que si je superpose trop d'épaisseur, mon biais élastique il n'arrivait plus à se plier correctement. Donc je pense qu'à l'avenir, si jamais la marque choisit de sortir de nouveaux kits, moi ce que je conseillerais du coup, c'est de proposer des, au moins pour la partie qui est sous la poitrine, un élastique, un biais élastique plus large pour cette partie là parce que c'est un peu galère. Alors c'est joli, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué à coudre, enfin ça peut être fastidieux à coudre et sans être réellement compliqué, et ça peut être un peu inconfortable aussi. Moi j'aime bien quand il y a une espèce de gros élastique quand même qui vient bien maintenir, et pas juste un élastique qui coupe en fait sous la poitrine. Du coup c'est le cas ici, mais comme c'est une brassière ça reste léger, donc pour l'instant je l'ai essayé quelques minutes, c'était confortable. Il faut voir à la longue sur une journée. Voilà, alors ce que j'ai fait aussi, vous l'aurez vu dans les images, j'ai décidé de bâtir en fait mes bonnets. Sur le tutoriel on vous conseille de coudre d'abord votre bonnet, vos deux bonnets avec un point zigzag sur l'élastique, donc sur la partie qui va se retrouver à l'arrière, et ensuite de venir replier, de refaire un point zigzag, ce qui fait que sur l'envers qui va être contre vous, mais voilà l'envers quand même qui, que vous verrez tous les matins presque, il y a deux coutures élastiques, deux coutures zigzag en fait qui auraient été visibles. Et moi ça me fendait le cœur en fait de faire ça. Je me suis dit bon, les sous-vêtements de toute façon on les met que pour soi, donc faire en sorte que les finitions soient vraiment clean et pas trop chargées, ça me tenait à cœur. Donc j'ai bâti en fait les bonnets, j'ai d'abord posé les bonnets avec des épingles pour pouvoir essayer sur moi et voir ce que ça donnait, pour pouvoir positionner en fait mon bonnet au bon endroit. Ensuite je suis venue bâtir le bonnet avec un fil contrastant pour pouvoir les maintenir, et ensuite j'ai cousu mon biais élastique directement à cheval, donc j'ai piqué les deux côtés d'un coup sur toute la longueur en fait hein, de l'élastique qui vient sous la poitrine, et j'ai emprisonné comme ça mon bonnet, les deux bonnets comme ça, et je suis venue ensuite retirer mon fil de bâtisse, ce qui fait que sur l'intérieur comme sur l'extérieur j'ai juste une couture qui est nette. J'ai fait comme d'habitude un point triple droit, c'est vraiment bien, mon élastique reste bien élastique et ça fait quelque chose de joli. Idem pour la partie avec le petit, la petite attache, le petit rond, ça fait quelque chose de vraiment propre, et là je trouve que c'est chouette. Si j'aurais voilà une critique à faire sur globalement l'ensemble de la gamme de montage, alors sur le patron j'ai rien à dire, pour le coup c'est bien, sur le matériel peut-être juste quelque chose d'un peu plus large sous la poitrine en termes de biais pour pouvoir un peu plus superposer les bonnets pour les gens qui ont une poitrine plus resserrée. Et pour ce qui est par contre des finitions, voilà, pour moi c'est de ce côté-là que ça pêche. Les finitions proposées sont malheureusement pour moi un peu trop brutes, un peu trop, voilà, brutes de décoffrage. Et je trouve que même si on est débutant, débutante, je trouve que c'est bien de se confronter aussi à des finitions un petit peu plus... pas technique mais un peu plus poussé, histoire de sans dire d'être compliqué hein. Vraiment là j'ai fait les finitions je pense les plus basiques qui soient, mais sans dire d'être trop, voilà, trop brut. Je pense que c'est de ce côté là que je conseillerais des petites améliorations au niveau du kit, mais sinon globalement c'est cool. Pareil du coup toujours dans cette idée de finition, pour l'instant j'ai fait un nœud à l'arrière juste pour pouvoir l'essayer. Normalement c'est un crochet qui est proposé, je vais vous le montrer, c'est un tout petit crochet comme ça. Hop. Qui est proposé, on ne verra pas très bien, mais voilà, un tout petit crochet comme ça qui est proposé pour accrocher l'arrière. Je suis pas fan, encore une fois pour moi ça fait pas fini, et donc je pense que je vais laisser la brassière comme ça pour l'instant, et je vais la, je chercherai une accroche qui me convient mieux, quitte à même presque mettre un système qui soit réglable dans le dos. Voilà, j'hésite presque même à la coudre sans mettre de système de fermeture et à l'enfiler par la tête comme ça, mais voilà, à voir. Donc voilà pour la brassière, je vais passer maintenant à la culotte. J'avais hâte de coudre la brassière, j'avoue que j'ai un peu la flemme de faire la culotte, mais je pense qu'une fois qu'elle sera, que je serai lancée, ça devrait aller assez vite. Et voilà, on se retrouvera du coup, donc je vais continuer de filmer un peu le montage de la culotte. Pareil, la partie montage de la culotte sur la vidéo, c'est très très court, il y a très peu, genre les 4/5 de la vidéo, c'est toute la gamme de montage de soutien-gorge. Et la culotte, c'est vraiment pas grand-chose, donc je vais voir si ça me convient. Je l'ai pas regardée encore, je verrai si ça marche. Et voilà, mais globalement c'est un projet qui est quand même assez rapide à coudre. Là je me suis mise ce matin vers 10h, il est je pense 14h ou un truc comme ça, ouais il est 15h, et j'ai déjà terminé la brassière, sachant que j'ai dû décalquer mes pièces etc, et que je filme, donc c'est beaucoup plus long en fait, ça me prend 3 fois plus de temps. Voilà.
Ok, bon, l'expérience va s'arrêter là puisque donc j'ai commencé à coudre la culotte, je vous ai filmé quelques passages. Voilà, d'abord pour la culotte, au niveau de la vidéo de montage, je remarque un peu un truc, je me suis dit tiens c'est marrant, elle fait pas de couture anglaise sur la culotte. Donc bon, je me dis tiens c'est rigolo, alors que sur le soutien-gorge on fait des belles finitions en couture anglaise et tout. Là il n'y a pas de couture anglaise sur la culotte, donc moi je fais mes coutures anglaises, bon je bouffe pas trop de tissu mais voilà, sachant que j'ai fait un 40 et que le 40 était censé être un chouille trop grand puisque mes petites hanches à moi elles font 90 cm et pas 93 comme sur le patron, donc je devais avoir de la marge. Du coup je me suis dit bah c'est pas grave, je fais quand même mes coutures anglaises et tout. Et donc j'ai fait ma couture anglaise au niveau du dos que je suis venue rabattre sur le milieu. Pareil, j'ai cousu mes coutures côté que je suis venue rabattre. Là j'allais poser mon élastique au niveau de l'entrejambe, donc en un seul morceau puisque j'allais mettre le biais élastique aussi au niveau du dos. J'avais posé le gousset qui venait prendre en sandwich ici, donc pour faire une belle finition et donc qui allait être pris dans le biais, donc ça allait être bien. J'ai déjà cousu des culottes donc ça devait être plutôt pas mal. Et puis je couds les coutures côté et je me dis tiens je vais faire un essayage quand même parce que là ça me paraît petit. Et effectivement en fait il y a un problème avec le tissu, si sur le soutien-gorge ça pose pas de problème, sur la culotte ça pose souci, le tissu n'est pas du tout élastique. Enfin en tout cas il y a très peu d'élasticité, alors que sur une culotte vraiment le tissu d'une culotte c'est de l'élasticité au maximum, je pense que c'est je sais pas peut-être 30% d'élasticité une culotte. Donc je ne passe pas dans la culotte, ça s'arrête au milieu des cuisses. C'est pas tant un problème de taille, je pense pas, même si j'avais fait peut-être une taille 40, une taille 44 pardon, parce que là j'ai fait un 40. Je pense même pas que ça aurait passé mes cuisses et encore moins le bombé des fesses, sachant que bah, les petites hanches c'est beaucoup plus serré que le bombé des fesses. Donc et le modèle n'est pas un modèle, vous savez, très froncé, c'est pas un modèle avec des élastiques qui viennent froncer la culotte, donc pour moi c'est pas le bon choix de tissu en fait malheureusement. Donc bah, je vais m'arrêter là pour le test de ce kit. C'est pas grave, je retesterai ultérieurement la culotte peut-être, parce que le modèle avait l'air pas mal, faudrait voir une fois que les biais sont posés ce que ça peut donner. Je sais pas si je la termine et je la donne à quelqu'un, sachant qu'elle est neuve quoi. Je suis dégoûtée parce que le tissu était vraiment trop beau, je pense que ça aurait pu vraiment faire une culotte canon. Mais là voilà, et j'ai vérifié, il n'y a pas d'élasticité dans l'autre sens, donc c'est pas moi qui me suis trompée dans le sens de découpe du tissu. C'est juste qu'il est pas suffisamment stretch. Donc pour moi qui ai des hanches et des cuisses assez fortes comparées à la taille des petites hanches et de la taille, et bah du coup ça fonctionne pas. Voilà, je suis un peu déçue, c'est pas très grave, mais du coup ça me questionne un peu effectivement sur ce genre de kit où je me dis bon bah si on tombe sur le mauvais tissu malheureusement ça peut être un peu dommage. Ok, je vous retrouve une semaine après la conclusion que j'ai filmée juste avant. Comme vous l'avez vu, j'étais un peu désespérée. Je me rendais compte que le tissu donc n'était pas extensible et qu'il était impossible pour moi de coudre la culotte. Je vais retourner la conclusion que j'ai tournée puisqu'il se trouve qu'en revisionnant les rushs et en faisant un peu le topo, c'est vrai que mon résultat est assez sec par rapport au kit. Et j'étais un peu déçue d'en arriver à ce résultat-là. Donc j'ai contacté Marion, donc Marion Louisa, qui est la créatrice de la marque Marilou Studio. On s'est appelé un petit coup un soir et on a discuté de ce problème. Je lui ai en fait confié que voilà, le tissu n'allait pas avec le kit, donc elle était aussi étonnée que moi puisque du coup c'était une erreur. Donc c'est pas très grave, ça arrive à tout le monde, je pars de ce principe. Mais du coup c'est vrai que ça m'empêchait d'aller jusqu'au bout de la culotte et du coup la vidéo était pas non plus super flatteuse pour le kit, et j'avais vraiment pas envie de poster une vidéo qui se terminait sur une mauvaise note on va dire, parce que c'est une marque que je trouve vraiment chouette. C'est une marque qui, voilà, je trouve que Marion qui est donc la créatrice de la marque et surtout qui est quasiment toute seule sur ce projet à part quelques personnes qui gravitent autour, et bah du coup je trouve qu'elle se donne énormément pour cette marque et ça m'embêtait en fait de la mettre dans la sauce avec une vidéo qui était pas du tout positive. Donc j'avais envie de trouver une solution et ensemble on a réfléchi un peu pour cette histoire de culotte. Donc c'est pour ça que je vous parle donc de la conclusion une semaine plus tard, puisque j'ai recousu entre guillemets la culotte, j'ai fait quelques modifications que je vais vous montrer. L'idée du coup de cette vidéo, on s'est dit ensemble que ce serait aussi de vous montrer une autre possibilité de finition pour la culotte mais aussi pour le soutien-gorge, puisque du coup j'ai fait des finitions qui sont totalement différentes de la vidéo, et c'est ce que je vous dis en fait tout au long de cette vidéo là, c'est que les finitions moi me conviennent pas, et c'est parce qu'en fait juste j'ai l'habitude de coudre régulièrement et donc j'ai tout de suite des réflexes qui sont des finitions un peu différentes, et c'est bien du coup de montrer d'autres manières de faire. Donc pour ce qui est de la culotte, on a décidé
En tout cas, c'était la seule option qu'on pouvait faire, c'était de faire une version plutôt tanga brésilien. L'idée du coup, c'était de faire les raccords côtés avec l'élastique. Donc comme ça, on garde l'élasticité et ça me permettait de gagner de la taille au niveau de la largeur, puisque c'est là que ça posait problème. Donc voilà pour ce qui est de la culotte. Donc j'ai posé les élastiques sur tout le pourtour. J'ai conservé donc le dos avec la couture anglaise. On a toujours le gousset qui est doublé avec le jersey. Et par contre, la seule différence par rapport au tutoriel de base, c'est effectivement que les élastiques en fait viennent faire se rejoindre les deux côtés. Et donc ça me donne quelque chose comme ça, un peu plus Kylie Jenner. Alors malgré cette modification, j'ai quand même un souci au niveau de la taille. Je pense que c'est une culotte qui est faite pour des petites fesses et moi j'ai des grosses fesses bombées, sans prétention. J'ai pas mal de poitrine et j'ai des grosses fesses. Donc l'idée c'était aussi de tester le kit sur une autre morphologie que celle de Marion, j'ai l'impression. Donc je pense que la culotte est peut-être pas tout à fait faite pour des grosses fesses. En tout cas moi je manque d'amplitude au niveau de l'arrière. Alors soit il faut quelque chose qui rentre dans l'arrière des fesses comme un string, pour le coup pas de problème de taille, ce qui du coup n'est pas le cas, soit il faut quelque chose de plus large. Là c'est une espèce d'entre deux qui est pas toujours agréable, donc moralité, faites des toiles. Mais voilà, j'aurais dû échancrer un petit peu plus le dos. Si vous avez des grosses fesses comme moi, faites une toile et peut-être échancrer le dos pour qu'il rentre un peu plus. Mais sinon pour ce qui est de l'ensemble de la culotte, je trouve qu'il est bien. Vous pouvez je pense vous permettre de faire une couture anglaise pour l'arrière. Moi j'ai fait des coutures qui sont plaquées, donc je les ai rabattues par une surpiqûre comme sur le soutien-gorge en fait. Et ça me donne un résultat vraiment très propre. Pas de conseil particulier à vous donner à part que le point droit triple sur l'élastique, ça fonctionne très bien. Ça c'est quelque chose que je vous ai répété tout au long de la vidéo. Vraiment le point droit triple, c'est je trouve le plus adapté pour ce type de pièce. Parce que c'est délicat, parce que c'est fin, parce que ça permet vraiment d'avoir une belle couture, qui est une couture droite, qui est plus propre qu'une couture zigzag. Et en même temps qui conserve l'élasticité, et donc c'est ce qu'on veut. Pour ce qui est des techniques de couture aussi, je vous l'ai montré un petit peu dans la vidéo, mais je vous conseille vraiment de venir bâtir votre élastique tout autour de la culotte et même du soutien-gorge. Donc dès que j'ai voulu en fait venir poser mon élastique sur les pourtours ou même sur la taille, je suis venue en fait bâtir sur l'envers, ensuite j'ai replié, j'ai mis mes épingles et je suis venue coudre en une seule fois. Comme mon côté envers était bâti, et bah du coup ça a pas bougé et j'ai ensuite enlevé mon fil de bâti et j'avais quelque chose de vraiment propre. Je vous ai pas filmé toutes ces étapes parce que c'était un peu ennuyeux et c'était très répétitif, on fait toujours un peu les mêmes choses, mais c'est vraiment le conseil numéro 1 que je pourrais vous donner. Et n'hésitez pas aussi à tirer un peu sur l'élastique, mettre un tout petit peu de tension pour faciliter en fait l'entraînement de votre machine. Ce sera un petit peu plus agréable je pense pour votre machine et pour vous pour coudre, pour vraiment bien replier le biais sur lui-même. Pour ce qui est du soutien-gorge, alors je vous en ai déjà pas mal parlé dans la vidéo, mais la brassière je la trouve bien, je trouve que le patron est bien, moi je fais donc un bonnet D et je trouve que c'est pas mal pour un bonnet D, ça englobe quand même plutôt bien la poitrine. J'ai comme pour la culotte fait donc une couture anglaise au niveau du milieu de bonnet comme ce qui est préconisé sur le tutoriel, la seule différence c'est que moi je suis venue la rabattre effectivement avec un point droit. Comme j'ai un tissu qui n'est pas très extensible dans mon cas, j'ai fait juste un point droit large tout simple. Et pour ce qui est pareil des petits picots sur le côté, je suis venue de la même manière piquer avec une petite couture droite très élargie et j'ai vraiment pas de problème. Pour ce qui est de l'attache de soutien-gorge à l'arrière, je réfléchis encore à ce que je vais faire. Je pense peut-être que je vais condamner l'arrière et je vais tout simplement faire une brassière directement réglée à mon tour de sous-poitrine qui varie pas énormément. J'ai pas eu énormément de variations au cours des années, donc je pense que c'est bon. Mais en discutant du coup avec Marion Louisa, c'est vrai que on s'est rendu compte, enfin je me suis rendu compte aussi de la réalité que c'est de proposer ce genre de kit. Et c'est vrai qu'au niveau des fournitures, elle propose un petit crochet qui moi me convenait pas. Et en fait c'est juste pas possible de proposer autre chose dans le kit, c'était un peu trop compliqué. Donc pour le coup, ce que je vous conseillerais si jamais vous n'avez pas l'habitude de porter des petites brassières comme ça, que vous aimez plutôt les bandes assez larges sous la poitrine, peut-être racheter un biais élastique plus large. Et dans ce cas-là, vous pourrez du coup mettre une attache un peu plus large en fait à l'arrière, une vraie attache de soutien-gorge avec peut-être même deux picots, ça pourrait être pas mal. Je pense que c'est une modification que je ferai à l'avenir si je refais cette brassière. Alors en discutant aussi avec Marion, on s'est rendu compte, enfin, elle m'a expliqué que c'est une brassière qu'on peut faire aussi dans un tissu jersey uni un peu plus sport, et je trouve que c'est pas mal comme base de brassière. Je trouve que le patronage est bien.
Maintenant ça reste assez simple. Globalement, ce qui me reste, on va dire, en mémoire de ce kit, quelle est la sensation que j'ai à la fin de la couture de cet ensemble? J'ai pris beaucoup de plaisir à coudre de la lingerie. C'est vrai que c'était quelque chose d'assez nouveau. J'avais jamais cousu des pièces aussi fines, aussi délicates, donc c'était un peu particulier. Mais j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir à le faire et je trouve que c'était vraiment très agréable. Les explications sont plutôt bien, même si je regrette la présence d'un livret. Je préférerais en fait avoir un livret, peut-être quitte à ce que ce soit un livret numérique, peu importe, mais un livret avec des explications écrites et des schémas, et à côté une vidéo. Après j'ai conscience que ça représente beaucoup de travail et je n'oublie pas que Marion est toute seule, mais c'est vrai que un livret ça remplace quand même, une vidéo ne remplacera jamais un livret, même si c'est un gros plus. Je trouve qu'il faut quand même toujours avoir un livret de couture. Quant à ce qui concerne les fournitures, j'ai trouvé ça vraiment bien d'avoir un kit avec uniquement le type de fourniture dont j'ai besoin. Ce qui est bien, c'est que pour la lingerie, comme c'est des fournitures très spécifiques, comme pour ce qui est des petits anneaux et des régleurs au niveau des bretelles de soutien-gorge, je trouve que ce qui est bien, c'est que du coup on a juste la quantité pour faire un soutien-gorge et on n'est pas obligé de galérer à chercher sur des sites un peu spécialisés ou en mercerie spécialisée des attaches de soutien-gorge, des trucs comme ça, et du coup on a juste aussi la quantité dont on a besoin. On se retrouve pas avec un lot de 100 attaches de soutien-gorge. Donc ça, je trouve ça pas mal. Pour ce qui est aussi du reste de fourniture, il me reste, je pense, 1 mètre de biais bleu. À mon avis, c'est parce que elle prévoit la largeur pour toutes les tailles. Donc moi, il m'en reste un petit peu, donc la quantité est bonne. Pareil pour le tissu, j'avais quelques chutes, mais pas réutilisables du tout, donc vraiment bien. J'ai aussi contacté du coup la créatrice pour savoir si les chutes de tissu étaient de seconde main. Alors c'est pas de la seconde main, mais c'est des fins de stock de maison de couture. Donc elle récupère en fait des fins de rouleau, c'est pour ça qu'il y a une quantité limitée de chaque tissu. Je trouve que c'est bien. C'est une bonne démarche du coup de revaloriser des rebuts en fait, des restes de marques. Voilà, je trouve que c'est une chouette démarche, donc c'est pas de la seconde main, mais voilà, on reste un petit peu dans cette idée là et je trouve que la démarche est pas mal. Voilà pour ce qui est donc de mon test, mon ressenti sur le kit lingerie Marilou Studio. Si je devais vous recommander du coup plusieurs choses, comme je vous l'ai dit tout au long de la vidéo, faites une toile, ce que je n'ai pas fait, mais je voulais vraiment faire un crash test de ce kit, voilà, direct. Faites une toile, n'hésitez pas à utiliser le point droit à la place du point zigzag, donc un point droit triple, si jamais vous voulez avoir une finition un peu différente de celle qui est proposée dans le kit. N'hésitez pas également donc à faire une modification sur la culotte si vous voulez avoir un peu plus d'aisance, donc avoir l'élastique sur le côté pour pouvoir plus facilement porter votre culotte et avoir quelque chose de plus agréable. Et puis voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, que le test vous aura plu. Je pense que c'est la dernière vidéo de l'année, c'est probable qu'on ne se revoit pas avant le 1er janvier, en tout cas avant janvier 2023. Donc si c'est le cas, eh bien je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très belle fin d'année, de très belles fêtes de fin d'année, ou juste un très beau début d'hiver pour ceux qui ne font pas des fêtes de fin d'année. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.